Chers internotateurs et chères internotatrices, surtout les internotatrices, parce que le niveau de testostérone est extrêmement élevé à cette table, bienvenue dans cette TV très particulière, dans la mesure où nous accueillons l'équipe qui a travaillé sur Skull. Personne n'a rien dit, donc. On en est au bout d'un moment. Oh, ça va. Sur Skull, l'équipe de lui-même, composée de l'éditeur, celui qui avance l'argent. Lui-même. Lui-même. Philippe Despalières. Ouais. Comment ça va bien? Très, 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 très pas mal. L'auteur, Hervé Marly, comment ça va bien? Au-delà du descriptible. Voilà. L'illustrateur, monsieur oui, Tom Duarchex. Absolument. Ça a l'air de bien aller. Merveilleux, bilivisement bien. Voilà. Et oui, celui qui aime quand les gens vont bien, le docteur Mops, qui est en train d'apprendre ses cartes par cœur pour essayer de les hypnotiser par la beauté. T'as choisi quoi, le maori? Eh bien, j'ai pris le maori parce qu'il y a le code couleur bleu, un petit peu bleu canard, bleu, bleu plus profond à l'intérieur. Non, parce que, et puis surtout, hein, quand le maori, il est à moitié dans ton lit. Mm. Donc, voilà, j'ai fait l'effet pas du... un rire. Ah non, le temps, voilà. Alors, lui, Philippe, il y a une caméra, là. Si tu fais ça, on ne voit plus personne. Moi, je peux le faire aussi. Hein. Donc, je rappelle, deux, trois bricoles. Nous avons, dans une petite vidéo précédente, expliqué pourquoi c'était comme ça maintenant et pourquoi c'était Tom quand était l'illustrateur. Oui. Il y a une autre vidéo qui a été faite à la centrale. Alors, allez voir, parce qu'on parle de slip. Aussi. Mmh. Une autre vidéo où on explique les règles. Ce que nous allons faire, c'est la revanche de la fameuse partie, celle qui a fait couler autant d'octets en réponse à nos interventions, puisque tu avais fumé et tu avais bu du Coca-Cola comme un porc. Je tiens à expliquer qu'à cause de cette partie, j'ai arrêté de fumer parce que tous les gens me sont tombés dessus. Ah ouais. Non, en fait, j'ai fait des bronchites à répétition. Bah oui, tu vois, Dieu t'a puni. Yeah. On y va? Qui commence? Tu commences? Honneur, non, honneur à l'illustrateur. Alors, honneur à l'illustrateur. Honneur à l'illustrateur. Comme c'est le premier qui va sortir. On commence avec un. On rappelle. Voilà, c'est ça. Obligatoire, la pause. Obligatoire, la pause. Café. Et donc, on commence dans la stratégie. Un de plus. Eh bien, moi, je tenterai tout gentiment. J'ai pas joué depuis des années, moi, donc. Un, deux. Tu commence deux, pas. Tu dis un ou deux? Je tenterai un, deux. D'accord, tu dis deux. Je vais dire. Sur six cartes. Bah, je vais. Puisque ici, nous en avons deux. Bah, je vais dire trois. Alors, bon, moi, par délicatesse, par politesse, parce que j'ai été élevé éducation anglaise, je passe. Tu passes à 3 sur oui, 6. Bien sûr. Ouais. Parce que j'ai mis donc un crâne. Ah oui, c'est ça, fallait que je dise. C'est un skull qui est posé là, donc je vous le dis. À la cantonade, hein, qui n'a rien à voir avec le football. Ouais, toi, je l'ai fait juste avant. Hein. Ni avec l'élection. Voilà, exactement, ni avec les élections. Alors, donc la situation se tend brusquement déjà. Là, ça va là. Arrivé à moi, là, ça commence à... En même temps, 3. Trois, il regrette presque de ne pas avoir dit 4. J'aurais pu dire 4, mais uniquement par politesse et respect total envers toi, Doc. En même temps, tu aurais dit 4, moi, je t'aurais peut-être laissé faire. Mais bah, du coup, je vais dire 4. Parce que moi, j'ai pas mis de. Ouais, je pense que tu as raison. Tu dis 4. Ouais. Tu as raison, j'hésite un peu, mais je vais te laisser faire. Vas-y. Oula, glisse donc ton tapis vers le centre de la table. C'est lui, il hésite. On a donc. On a 4 sur 4. Ce qui veut dire que c'est bon, quoi. Bon, 4 sur 6. Du coup, 4, je l'aurais bien dit si je n'avais pas été le dernier à parler. Mmh. Donc, c'est bon. D'accord. Bon, eh ben allez, mon grand. Alors maintenant, on s'arrête au premier skull. Ouais. Donc, ouais. Histoire de dire... Tu dois commencer par toi. Je dois commencer par moi. Et oui, toujours. Une belle fleur. Oh, elle est jolie, ta fleur. Plus que 3. Mmh. Eh ben, ça se goupille bien. Alors, je te déconseille absolument de venir retourner ce joli disque. Alors... Philippe, j'ai tendance à le croire. Non, jamais. Fall a peut-être mis un piège. Jamais. Et toi, je sais pas, mais donc, Tom, je sais plus comment tu joues. Donc, je vais aller voir ta carte quand même, même donc, malgré tes menaces. Fais donc. Bien. Il en reste une dessous. Hein. Il ne serait surtout deux à retourner. C'est vrai. On va aller voir Monsieur Fall. Moi, tu as bien fait, je te veux pas de mal. Et on va aller voir Monsieur Philippe. Là, il y a un crâne. Alors là, c'est pas bon. C'était bien. Eh oui, la deuxième, là, elle était bonne chez lui. Eh oui, c'est un risque de... Alors, je sais pas, parce que quand même, Tom, sous ses aspects gentils, est un fourbe. Donc, oh. Donc je suis pénalisé. Bah, je sais pas pourquoi Tom n'a pas voulu continuer. Parce qu'il a mis... Parce qu'il n'avait pas confiance en toi et pas en moi. J'avais confiance en personne. Là. Qui me pille. Qui a retourné le... Tiens, tu celle-là. Qui me pille? On y va? Et c'est toi qui commence. Peine en moi-même. Oui, t'as pris la main, c'est ça, c'est très positif quand même. T'as pris la main, enfin je te l'ai donné quoi. Alors que d'habitude, allez, on y va. La tête. La pause. Automatique. Attends, tout le monde n'a pas posé.
Il ne faut pas que tu fasses ça. Tu es en train de réveiller ta stratégie avant que nous ayons posé notre carte. Ouais, non, mais je préfère avertir pour mais pourquoi tu les internotateurs. Mais bon, je sais alors, pas, c'est mon dieu, voilà. Bon, alors j'en change. C'est mon dieu. Vas-y. Bon, alors je change de stratégie. Tu peux. C'est vrai. Tu peux même changer de carte parce que c'est toujours le premier joueur qui choisit quand il joue. Tu peux même enlever celle-là. Tu peux même enlever celle-là, en mettre une autre parce que c'est toi. Tout le monde doit jouer avant toi, quoi. Moi, je dis deux. C'est écrit comme ça dans la nouvelle règle ou pas? Deux. Ouais, bien sûr, t'es déjà comme ça. Tu dis deux? C'est bien. Bah, oui, c'est-à-dire qu'on attend qu'ils disent quelque chose. Ça, c'est vas-y, on te regarde aussi parce qu'on attend d'admirer. Mais... Trois, moi, je crois pas du tout. Toujours pas jouer à ce truc, moi. Bah, trois, si je dis quatre, ça me laisse les trois autres. Non. Mais non parce que alors, comme ces illustrations sont tellement belles, j'ai vraiment envie que tu réussisses. C'est bien. Donc, je passe. C'est beau. Trois. C'est bon. Quel salaud. C'est bon. C'est bien. Vous avez raison. On veut le voir. Donc, il choisit la carte qu'il perd. Ça s'appelle se fusiller. Tirer une balle dans le pied. Oui. Alors que ça partait d'un bon sentiment de notre ça part. Ce petit malin, hein. Ça partait d'un bon sentiment. Tu vois ce petit malin. C'est bien, ça va dégager vite les novices. On va pouvoir jouer entre professionnels. Donc, il y a quand même deux stratégies. Hein. C'est où je garde le crâne ou je le laisse. Eh oui, bien sûr. Ah oui, c'est pas mal ça. Eh oui, bien sûr. Et je vous rappelle en aparté que, souvenez-vous, la partie qu'on avait faite tous les trois. Improbable, elle était. C'était hallucinant. On en reparlera. Bah, nous, on a fait une partie. Je sais pas si tu étais là. Je crois que le mec qui a gagné, c'était un pote à moi. Il a gagné en étant le dernier survivant avec sa carte sud. J'étais là, moi. J'étais là, c'était improbable. C'est la seule que j'ai fait comme ça. Ouais, c'était improbable. Bah, c'est celle que j'ai jouée aussi. Ces connards de cubamboaïstes. On a tiré le jeu, mais au maximum. Oh, putain. Est-ce que tu veux que je te rappelle comment ça s'est fini? On était tous les trois. Ouais. Chacun avait la dernière carte. Chacun avait un crâne. Sauf toi qui avais une rose. Ouais. Et c'est toi qui as dit deux. Enfin, un, deux. Je passe, il passe, toi la main, tu retournes la tienne, tout va bien. Il fallait que tu choisisses un de nous deux, tu as choisi Mops qui avait un crâne. Donc, tu as perdu ta dernière carte éliminée, Mops a révélé son crâne éliminé, j'étais le dernier. Et j'ai gagné avec mon crâne qui n'a pas été révélé. Incroyable. C'était insensé. Alors, bon les amis. Ah, on est parti. Une deuxième. On y va. Nouvelle tactique. J'essaie de sonder l'âme de Tom, mais je m'aperçois qu'il n'en a pas. Non. Essaye de décaler tes cartes. Voilà, comme ça, ça donne une chance à chacun. J'ai joué tes trucs, toi. Ah bon, tu vois mes trucs? Et il avait joué son crâne ou pas? J'ai pas vu s'il y avait le crâne. J'ai vu qu'il avait encore une fleur, mais il est... Ça donne un renseignement. Hein. Sur 4 cartes, il y a une fleur, hein, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que vous en pensez du look, là? Ça aide à jouer? Ça aide Ouais, pour le moment. En fait, moi, je suis focalisé sur l'envie de gagner, si tu veux. Donc, mais, tiens, j'ai un rire idiot. Mais sinon, si, c'est plaisant. J'ai envie de parler, mais comme Tom n'a pas décalé ses cartes, ça me perturbe. Décale ta carte. Ah. Donc 2, 4, 6, 8. Moi, je suis un peu mauvais avec ce. J'ai fait des cartes qui rentrent pile poil dans le tapis, si tu veux, donc j'ai du mal à les décaler. Ouais. Je pense que je pense que ici, il y a un crâne. Pas de crâne. Crâne. En dessous. Crâne. En dessous, en dessous. La dernière fois, on avait joué, on montrait les cartes. Donc, je vais dire 3. Oui, tu te souviens? C'est le public qui... 3. Donc, je vais lancer un défi à 3. Ah oui. Et tu as dit quoi alors? C'était quoi ta réflexion? Il fallait crâne, suivre. Crâne, pas crâne, et crâne. Et tu dis 3. Ah ben, toi, tu as un crâne, tu ne peux pas jouer, donc. C'est normal que tu aies mis un crâne, tu es le dernier, dans le tour. Non, mais 3... Non, mais le dernier dans le tour met toujours un crâne. D'accord. Donc, tu as mis un crâne, donc tu vas passer. Mais j'hésite quand même parce que je suis en train de faire 3, toi. Une carte, 2. 3, tu peux bluffer. 3, ouais. Non, j'y vais pas à 3 parce que je crois que t'as un crâne. Alors, mais bien sûr. Donc, t'avances, mais ça, on le savait. On le savait. Moi, j'y vais à 4. Et c'est là, il voulait une information. Ouais, tu lui sauves sa vie. Non, pas du tout, j'ai une information. Non, mais je parais qu'il lui sauve sa vie. Mais moi aussi. J'ai une info. J'y vais à 4. À 4, moi, je vais pas à 5. Ben, je vais pas à 5 non plus. Alors, tu serais allé à 5. J'aurais dit 6, mais en l'occurrence, je n'y vais pas. Vous commencez à me gaver. Alors j'ai mis un crâne. Mais tu crois que c'est pareil que de jouer dans les Cévennes? Le costaud des Cévennes. Non, j'avais mis une rose. Enfin, pas une rose, hein, j'avais mis une super fleur de lotus. Moi aussi. Ouais, toi aussi. Ouais. Ouais. Et ça part d'où? Ça part de là-bas. Qui est-ce qu'elle a de... Ouais, non, on laisse tomber, c'est pas grave. Quand le temps de revenir voir, moi. Hein. Donc, 2 cartes, Tom, dans la main. Eh oui. C'est plus beaucoup, hein. C'est plus beaucoup. Ouais. Mais c'est toi qui l'ai choisi. Oui, ça, et c'est l'avantage. Ouais.
Ah ouais. Celle-là. D'accord. Mais il arrête pas de mettre des crânes. Donc, ouais, mais tu sais, il y a un moment, on arrête. Sauf... Là, c'est le tour où il arrête. Regarde, je l'ai vu dans son regard. Quand j'ai dit, il ne faut plus mettre l'immunité. Non, en même temps, c'est un pattern qu'il a. Il a gardé son crâne, il vient de l'opposer, je pense. Alors, tu as rajouté une carte ou dis quelque chose? Je vais dire deux. Moi, j'y crois pas. C'est bien deux. Deux, c'est pas possible. On lui laisse retourner son crâne. Allez, moi, j'y crois pas non plus. Là. Vas-y, dis non. Deux, vous n'y croyez pas? Non, jamais. Tu crois qu'il a mis un crâne? Allez. Ah, ça, j'en suis sûr. C'est dommage. Il n'a pas mis de crâne. Oh! Alors. Mais maintenant, c'est. Merde. Maintenant, c'est. Ah, comment... Allez, Philippe. Boum. Oh! Mais comment t'as pu projeter? T'as vu comment il fait le. Ah non, mais alors là, j'étais sûr qu'il ne verrait pas sur toi. J'espère que vous n'avez pas joué les. Vous avez pas joué les frais de graphisme. C'est pas vrai. Tu es très naïf, Tom. Hein. Ah oui, là, je me suis fait bananer. Il va pas rester longtemps. Hein. Non, là, c'est mal parti. Ouais. Allez, on te donne une dernière chance. Mais quand tu t'as payé 4,50€, c'est la carte ou c'est le recto verso? C'est le recto et. Il t'en reste qu'un, là. Là, il m'a eu, là. Là, on peut gagner avec une carte, mais quand même c'est pas possible. Quand les autres en ont 4. Hein. Ouais, ouais. Ça, c'est plus dur. Hein. Oh, j'en ai 3. Hein. Ah oui, t'en avais perdu déjà, c'est vrai. Et si t'es un homme, tu fais. Tu dis 1. Bah oui, c'est ça, ouais. C'est... Mais je vais. Non, tu dis 4 parce que moi, en dernier, j'ai joué un crâne. Ouais, je vais dire. Non, je veux dire 3. Oh, putain. Ah, c'est bien. Il a pas de crâne alors. Mais. C'est sûr, il a pas de crâne, lui. En même temps, c'est un fourbe. Hein. Mais toi, c'est une analyse que tu aurais faite, donc tu as forcément mis un crâne. Tu as dit quoi? Tu as dit 3. Ouais. Je suis le dernier. Non, c'est vrai, je ne mets pas. Qu'est-ce qu'on fait? 3, est-ce qu'on te laisse gagner ou est-ce qu'on sauve la vie? Je sais pas. Mais pourquoi ça... lui sauver la vie? Bah, je voudrais pas qu'il perde. Arrête avec ta gentillesse. Oh, bon, allez, je vais dire 4. C'est un jeu de tueur. Je vais dire 4, mais parce que je t'aime. On se demande vraiment si c'est ton cerveau qui est sorti 4. Du jeu. Mmh. T'as dit t'as le droit de dire 5. Oh ben, hein. J'ai rien dit, j'ai dit 4. 4. Ouais, ouais, t'aurais pu dire la totale. En même temps. Oui, t'aurais pu. Alors, c'est quoi la totale? Comment on l'appelle maintenant? La totale. Écoute, foutu pour foutu, j'y vais. Ah, 5. Voilà. 5. 2. Bon. Ah, voilà. Bon. Ah, fallait le tenter. Ça, ça t'est resté un pan. Ah, ouais. J'ai baissé d'un cran, ça se voit? Bon. Non, à peine. Fallait le tenter, donc. Ouais, fallait. Hein, suis, ouais, oui, oui. Oui. Et ben donc c'est Monsieur Fall qui commence. Cuit. C'est moi qui commence. Ce que vous avez fait chuter le jeune homme. Ah, et j'y prends aucun plaisir. Donc moi je suis le dernier. Il faut que je joue un crâne. Alors ça c'est dans les premières pages du livret de stratégie sur Skull. Quand est-ce qu'il sort ce livret de stratégie? Ben écoute, quand j'aurai trouvé un éditeur. Ah oui, bien. Ça c'est bon, ça ce que tu viens de faire. Allez, t'as raison, faut y aller, faut y aller. Ah ben voilà. Ça c'est vachement intéressant. Écoute, à un moment donné, on a perdu les petits, faut jouer entre hommes. Oh. Alors moi j'ai pas envie de jouer toutes mes cartes, parce que j'ai pas envie qu'on sache s'il me reste quelque chose d'intéressant ou pas. Je vais donc faire une annonce. Nous avons donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cartes sur la table. 11. 11 cartes sur la table. Ah bah non, t'en as mis que 2 toi, Philippe. 10 cartes, ah ouais, c'est 10 cartes sur la table. J'ai pas le temps moi. Avec des petits malins et des petits malins. Oh, tente un 2. On doit bien retourner. D'abord les siennes. Mais la première ou toutes les trois? Toutes les trois. Ah, les trois. Les enfin, sauf mais chez les autres. Ou sauf si tu avais demandé deux. Voilà, ouais. C'est ça. C'est le but voilà, de la question. Bien sûr. Bien sûr. Ouais. C'est ça l'idée. C'est quand je suis arrivé au quota, je suis obligé de révéler. Ah, je dis 4. Allez, donc là, tu seras obligé de révéler. Là, je suis obligé de révéler. 5. Merde. Bah, je peux plus. Bah, pourquoi tu peux plus? Bah, je passe. Pourquoi tu peux plus? Parce que j'ai vanté mon coup. C'est pas grave. Il y a que Philippe qui a suivi. Mais je suis d'accord, mais ça aurait pu être du bluff. C'est à toi, je te signale. C'est vrai. Ah, c'est marrant, hein. Ça, t'arrives pas avec le bluff dans le bluff. Hein. Non, je sais pas faire. Donc, on en est à 5, c'est ça, Philippe ? Milou de bluff. Le mec, qui fait semblant d'évaluer ouais, le risque ici. En espérant que quelqu'un lui montre. Ça fait dessus, longtemps quoi. Qu'il sait très bien ce qu'il va faire. Ouais, ouais. Moi, je le connais comme si je l'avais fait, comme si on avait fait un autre jeu ensemble.
Et par exemple, si je dis 6, est-ce que ça te paraît possible? Oui, ça me paraît possible. Alors 6. Eh oui, t'as pas participé à ce tour-là, hein? Tu le regrettes. Hein? Moi, j'aurais dit 9, hein. Bah oui. Moi, je suis gourmand, moi. Enfin, il voit ça, ton physique le laisse deviner. 7. Oh. Là, c'est sans moi. Moi, je peux plus jouer, hein. Toi, t'es le premier joueur. T'as dit 7 quand même. Ouais. Hein. 7 sur 10. Chaud, hein. Mais oui, c'est vrai que tu es ma star, ma vedette. Je t'admire énormément, donc je passe. Tu vas voir, ça dure pas très longtemps. Alors je retourne. Non, je retourne déjà quand même. Les miennes. Ah, ouais. Histoire de voir que j'ai pas fait de bêtises. Pour le moment, c'est bien. Je vais prendre celle de Fall. T'as dit combien? 7. Donc une de Fall. Une de Fall. Trois. Ah. Ça, c'est sûr. J'aurais préféré que ce soit un des deux, moi. Hein. Parce bien. Que bon, il y a plus dur à tuer là que. Ah, enfer. Ça va faire comme d'habitude, il fallait juste que le novice dégage et puis après, ça fait comme d'habitude. Ah, chiotte, c'est dur. Là, c'est pas qu'il te l'enlève. Ah, ça va lui faire mal. Ça va encore pas durer 5 minutes, cette partie. Ah oui, parce que normalement, c'est un jeu rapide. et c'est toi qui commences à annoncer. Alors, attends. Alors, c'est moi qui commence à annoncer. Il faut que je change notre bouquin. Moi, il me reste plus beaucoup de cartes, là. Ouais, tu vas annoncer tout de suite. Je suis obligé d'annoncer tout de suite. Absolument pas, tu peux jouer ta deuxième carte. J'annonce un. Un. Alors, un, je peux faire mieux, je fais deux. Oh putain, trois, c'est le chiffre maudit, il n'y a que quatre cartes, là. Ah bah, tu comptes vite, dis donc. Alors, c'est soit trois, soit quatre que je dis. J'ai bien envie de dire quatre. Si tu dis cinq, mais... c'est pas terrible. Non, mais quatre, ça aurait été bien, mais l'autre, c'est un enfoiré avec son... Mais compte. C'est bien, comme ça, si tu dis trois, ce qu'il a, là. Je dis rien, ouais. Si je dis, oui, c'est ça, si je dis trois, ça ne monte pas, non, et quatre, je n'ai pas confiance. Quoi, tu dis pas quatre. Bah, j'ai pas confiance en toi, par exemple. Bon, je vais dire 4, mais c'est vraiment pour te sortir de la... Alors là, toi, tu viens de dire 4, là, il y a un crâne ici. C'est ouais, mais clair, c'est... il vient de faire ouais, cette... Ouais, non, mais peut-être, peut-être, ouais, effectivement. 1. Alors, sacrifice, hein. Ouais, 2, très bien. 3. Très bien, et là, il y a un crâne. Aïe. Ouais. Putain, pourtant, il était amené, je n'y ai pas cru non plus. La psychologie phallique est quand même assez simple. Il y avait une petite chance, quand même, qu'il sent son pattern crâne. Non, là, tu me déçois. Hein? Moi, je joue comme je sais jouer. Mais il le fait bien. Tiens, vas-y, ma poule. Ah, mais c'est moi qui te viens. Alors là, il le fait bien. I am the... Et c'est vrai que c'est joli d'avoir un rouge ici. Hein. Écoute, l'enfant, moi, je pense qu'il faut le taper un peu. Déjà, par rapport au plaisir, en même temps, il y a eu du bleu, là, il y a du rouge. Non, pas encore. On va faire un petit mélange. Un peu de violet, ça serait bien. Alors, on ne sait toujours pas si tu as un crâne. On ne sait pas si j'ai encore un crâne. C'est toi qui annonce. Ouais, c'est moi. Ah, je suis le dernier. Je suis le dernier. Tu dois jouer un crâne. Ouais. Ah non. Ah si. Alors, oui, normalement le dernier joue un crâne. Hein. C'est ça, vas-y. Normalement, maintenant, on va savoir. Non, ça dépend de l'annonce du premier. Bah oui. Oui, je pense aussi, ouais. D'ailleurs, je ne pas annoncé. Bah ouais, si tu rajoutes une carte déjà. T'as vu, mais je ne monte pas. Fait, parce que quand tu te mets comme ça, je fais ça. Mais là, j'ai pas c'est problème. Pour faire participer nos amis. Oh, tu pourras, on peut fermer nos yeux et tu montes. Voilà, t'en mets une de plus. Ouais, j'en mets une de plus, ouais. Parce que je sais que ça va embêter. Le père Mops. Le père Mops, ouais. Parce qu'il n'a pas envie de mettre sa dernière non, carte. Non, j'ai pas envie de mettre ma deuxième carte, moi. Jamais. Il ne veut pas jouer. En même temps, là, ça ne changerait pas grand-chose. Ah donc, bon. Alors mets-la, parce que comme ça, moi, je vais en mettre une. Je vais la mettre. Ça va être bien. Ah, moi aussi. Te voilà bien embêté. Non, deux. Je suis absolument pas embêté. T'as dit deux. Ouais. Non. Putain. Ah, tu vois, t'aurais pas dû mettre un crâne. C'est deux là. Trois. Là, c'est trois. Qui a dit trois? C'est toi? C'est moi qui ai dit deux, trois, oui. Trois. Parce que moi, j'ai plus de crâne, en fait. Ah, mais ça, j'ai envie de le savoir. Ouais, moi, pareil, hein, j'ai envie de le savoir. Tu joues au tome. On va se faire une petite cloche. Ouais, encore ah, il t'en manque une. Allez, vas-y, tu peux y arriver. Hervé. Tu peux y arriver. Joue Hervé. Là, c'est Philippe, tranquille. Ah non, moi, j'ai... Et comme je viens de dire ça, c'est chez moi. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de dire Mops. Pas Mops, Fall. Fall, ah, ouais, moi, je crois. Hein? Fall. Je suis honnête. Ouais. Fall ou Hervé? Fall. Fall? Ouais. Oh! Bien joué. Tcha-tcham. Et ça valait le prix que et ça il est coûte, très beau de ce côté aussi. Ah, il est super.
Moi, j'ai fait exprès. Bon, je mélange. Je mélange. Voilà. Shuffle. Évidemment, vous avez les infos maintenant. Oh oui, mais j'ai déjà oublié, moi. Ah oui, donc. Donc, t'as gagné une fois, mais tu ne pèses plus grand-chose à part ça. Plus grand-chose. À part ça. Mais j'ai eu mon petit 5 minutes de gloire. Oui, mais ça peut te permettre de gagner. T'as plus qu'à te soucier des autres. Le bluff ne t'intéresse plus. Alors, je vais mettre celle-là. C'est ça qui est bien, c'est que le bluff ne t'intéresse pas. Et ça, c'est intéressant. C'est à toi. Tu peux remettre l'autre hein, pour faire monter l'autre. Oh non, ça c'est une erreur. Ah non, pas du tout, au contraire. Faut c'est pas une très l'autre. Bonne stratégie. Ah ouais, moi, c'est ce que je ferais aussi. Ah, pas moi. Moi, j'écoute hein, les inventeurs. Les inventeurs. Je ne suis l'inventeur de pas grand-chose. 3. Ah ouais, t'aurais fait ça. Ouais, c'est pas mal. C'est une tactique. Le problème d'Hervé, c'est d'essayer de sonder mon âme. Ouais. Parce que là, je vois à peu près. Là, c'est encore confus. Là, tu vois bien. Toi, tu dis 3 seulement. J'ai dit 3, moi. Ouais, mais il attaque quand même. Ouais, mais tu sais, ça sent l'attaque. Surenchérie sur moi, j'ai pas mis le crâne. Je vais pas faire ça, moi. En même temps, si tu dis 4, je peux pas le laisser gagner quand même. Ouais, bien sûr. J'ai rien dit. Ah, il peut dire 4 après. Ouais, je vais dire 4 quand même. Allez. Ouais, bah, ouais, vas-y, c'est bon. Philippe. Alors, c'est Philippe, il dit 5. Mm-hmm. Ah oui, tu te méfies quand même. Quand même, tu te méfies. Hein. Alors là, la question, c'est est-ce que c'est le double banc des deux copains, tu sais. On a dit on les élimine d'abord. Et... Parce que s'il dit ça, il ne sait pas le genre à prendre un risque. Il a donc forcément deux machins. Ah. Ah, moi, à ce moment-là de la partie, je le verrais bien bluffer à 5. Mais pas sûr. Parce qu'il va retourner les deux siennes et les deux tiennes, il a 4. Après, il faut qu'il choisisse entre Hervé et moi. Ouais. Donc, il a sondé Hervé. Il sait que Hervé, s'il a dit ce chiffre-là, il est forcément tranquille. Maintenant, c'est le mien qui ne sait pas. En même temps, s'il gagne, il va avoir le sourire et ça, c'est agréable. Alors, c'est 5 que tu dis. Hein. Il faut que je dise 6 ou je ferme ma gueule. Et pourtant, là, tu n'es pas en train de la fermer. Hein. Non, je suis en train de te donner plein d'informations. Je vais passer. Moi, je dis, c'est mon éditeur préféré. Mm-hmm. Bon, ça commence mal. Attends, je vais retourner pour toi, si tu veux. Surprise! Non, mais Afad, il a mis un crâne. Hein. Pourquoi ouais, il ne serait pas allé? Je vais quand même chez toi. Bah, bien sûr. Oh, bravo! Putain. Bravo! Ça, c'est pour foutre les boules à Fall au cas où il n'avait pas mis de crâne. Je pensais que tu avais mis un crâne, c'est pour ça que j'ai pas dit 6. Mais à un moment, il faut prendre des risques. Ah oui, mais il y a un moment. Ils ne sont pas bons à ce jeu-là. T'as raison. D'ailleurs, est-ce que tu as déjà gagné une partie de Skull? Oh, oui, quelques-unes. Avec mais je ne pouvais pas dire 6 sur mon crâne. On a fait des bien ce qu'il me semblait. C'était un peu moche. On a fait des démos. En même temps, tu prends la main. Dans l'école de Zoggy, ils ont éclaté. C'est vrai, c'est vrai. Et t'as encore 4 cartes ou je ne m'abuse? Non, là, c'est moi qui ai la main. Ah, ouais. Oui, mais j'ai à la rigueur, il pouvait très bien dire prendre la main et perdre une de ses cartes. C'est chaud pour toi et moi maintenant. Ne me montre pas ce que tu choisis. Non, mais je les mélange pour l'instant. Alors là, je pense qu'on va aller dans un tour où il n'y a pas beaucoup de crânes. On ne sait jamais à l'avance. Quand on joue avec des vrais joueurs qui font n'importe quoi. 3. Tu sais qu'ils y sont pas, les 3. Écoute. Je peux pas te le laisser, je suis obligé de dire 5. Ah non, t'es obligé sinon de dire 5. Gagné, donc je suis obligé de dire 5. Et ils sont peut-être. C'est ce qu'il a fait exprès. Ah, de passer pour dire c'est à toi qui te déboule. Non, je mets la mienne, je mets la sienne. Voilà. Mais va voir un peu chez Philippe quand même. Non. Mais ça sert à rien, c'est bien chez moi, t'arrêtes tout de suite, on saura pas ce qu'il a joué. Moi, je veux savoir ce que t'as joué, toi. Oui, mais tu vas le savoir si tu retournes. J'avais pas le choix, de toute façon. Bien sûr que t'avais le choix. Mais je gagnais pas, il fallait que je les retourne toutes. 5, c'était tout. Oui, mais ce qui compte, c'est un petit peu aussi de découvrir la stratégie des autres. Je m'en fous de la stratégie. Ah bon, d'accord. C'est juste pour pas qu'ils gagnent. Tiens, ouais. Et je voulais que ce soit toi qui me le retire. Et pas le temps de passer. Fait chaud, ah, hein. À la cinquième, il fait chaud. À la cinquième édition de Skull, on va se marrer. Hein. Ouais, je peux changer, moi, en fin de route. T'as droit, oui. Tant qu'on n'a pas posé toutes nos cartes, tu peux changer. Cette fois-ci, tu m'as pas dit, fais attention, je peux voir tes cartes, c'est ça? Non, j'ai pas regardé. J'étais en train de réfléchir à comment j'allais le goûter. Oh, bah, si tu réfléchis, tu commences très très mal le jeu. Hein. Oh,
n'a pas le droit de faire de morse pour parler à son camarade. Vous l'avez entendu? Ah bah oui. Donc deux. C'est ça, hein. C'est moche. Tu peux pas le laisser. C'est toi qui pourras pas le laisser. J'ai l'impression de me faire avoir. J'ai l'impression de me faire osculer. 3, c'est bien, non? C'est pas mal. Attends, Philippe, écoute bien. Bah écoute, je vais prendre des risques. 5. C'est moche. Ah oui. Attends, le truc... Non, mais tu écoutes pas ce que je te dis. Écoute bien. Écoute, regarde. Il a dit, il a pris le risque. Regarde. Tu avais raison, il fallait qu'il prenne le risque. Ouais, il fallait qu'il prenne le risque. Ça m'a embêté, j'étais obligé de le prendre. Le risque de 14h53. Tu arrives toujours un peu en retard. Montre pas tes... Ah ouais, bon, excuse-moi. J'ai joué ça, moi. Ah, je m'accroche. Je suis fier de toi. Ouais, bravo. Je m'accroche, je provoque un petit peu. Tu vois, Mais pour le moment, t'as pas gagné encore. C'est qui a mis ça? C'est toi. 1. Ah oui, donc quand même, tu vas très fort. 2. Pourquoi 1? C'est hallucinant. Chacun son tour de faire la police. Ouais. Ouais. Contrôle d'identité. Ah oui, c'est mon tour là. Ouais, c'est ça. Je dis deux, il dit un, je dis deux. Je suis obligé de dire 4 quoi. Contrôle d'identité. Chacun son tour de faire la police. J'ai pas envie que tu prennes le risque de gagner. C'est un risque. J'ai pas envie que tu prennes le risque de gagner. Oui, mais 4 ça passe pas. Tu crois que 4 ça passe pas? Non, je dis 4, je pense que je vais la perdre, tant qu'il n'est pas grave, 4. Bon, allez, 1, voilà. Oh, dis-le, une fleur. Oh, putain, j'ai dans la chance. Fleurs. Oh, les petits enfants, est-ce que je retourne chez le méchant? J'aimerais pas être le dernier en noir. Ouh, il a fait un crâne. Oui, bien sûr. Alors, pas que de raison. Alors que moi, non. Hein. Je ne sentais pas ce coup-là, tu vois. Ouais, bah, écoute. Un crâne, deux crânes. Par erreur. Heureusement que j'avais pas mis un crâne. Ah là, il aurait lancé le 4. Ah, ça aurait été drôle. Non, j'y allais pas au 4, moi. Ah là là. Eh, t'es remonté du diable au vert. Non, c'est 3, ouais, ouais, bah ouais. Mais attends, mais de toute façon, Mob, c'est toujours en position de gagnant potentiel. Ainsi que. Mais parce que nous, on essaye de s'auto-éliminer. Je suis en embuscade. J'attends que vous baissiez votre garde. C'est ça. C'est qui commence? C'est Wham, notre ami. C'est le dernier. Wham. C'est notre ami qui est un très bon joueur. Mais j'observe d'abord. Non, mais tu t'en... Ah, moi, j'ai joué obligé pendant de faire que tu m'observais pas. Ouais, mais de coin de l'œil, je t'observais. Ah, t'as pris celle-là. Et t'as pas regardé Mobs? Oh merde. Et en plus, je change. Ça, c'est illégal. T'as pas le droit, hein, c'est pardon. Il y a que moi qui ai le droit de faire ça. En l'occurrence. Allez, je pose une carte et je lance un défi. Oui. Ah. Ce défi que je vais lancer immédiatement, c'est... Il va être un défi que je pourrais qualifier de déterminant. Bah oui. Parce que juste après toi, il y en a deux potentiellement qui peuvent gagner. Donc, je suis obligé de le mettre assez haut quand même. Ouais, même très haut. Quoi. Sachant que toi, ta stratégie, Philippe, c'est plutôt de faire du crâne. Par contre, Mops, lui, il est en position de mettre un crâne, mais sa stratégie serait plutôt de mettre une fleur. Non, j'ai alors pris la stratégie fleur, mais je ne sais pas comment tu as détecté ça. Donc, je vais quand même faire une solution middle. Donc, je vais dire 2. C'est bien. Parce que 2, je suis sûr de les faire. Tu vois, la mienne, ça fait 1 et la tienne, ça fait 2. 3, c'est tentant. Ça, c'est le piège. C'est de toute beauté. Ouais. Pour ceux qui connaissent la subtilité du jeu, bon, je ne sais pas le faire, ce qu'il fait, mais c'est de toute beauté. Je te laisse. Tu laisses ça à 2. Je laisse ça à 2. Moi, je tente à 3. Eh oui, et c'est là où c'est le piège.
C'est là où c'est le piège, qu'il n'y a pas 4 et je suis obligé de dire 4, je n'ai pas le choix, quoi. Mais oui, bien sûr. Eh ouais, donc je vais dire 4, je n'ai pas le choix, je ne peux pas te laisser gagner. Alors figure-toi que j'aurais peut-être dit 4, mais en même temps, je me méfie énormément. Si j'avais pas le choix, oui. 1, le Mops, 2, je vais voir Philippe. Ah voilà. Ah, et là, et c'est bon. Oh je suis noir, je suis noir. Ça passe. Oh, je ne veux pas expliquer pour quelle raison, mais c'était super bien joué. Tu es persuadé que. Mais je regrette en fait que tu aies saisi cette subtilité. Ah, bah, écoute, parce que je me l'ai destiné en fait. Et donc c'est moi qui ouvre. Et voilà. Et donc là, c'est compliqué. Je suis le premier, donc je vais pouvoir faire ça. Et oui, fais attention quand même. Ouais. T'es le premier, mais surtout, je suis le second. Et oui. J'irais même jusqu'à dire, je ne suis pas le second, je suis le deuxième. N'essaye pas de me perturber. Là, c'est du, là, c'est du high level. Ah, tu sais, c'est le soleil. Level, donc, c'est risqué. Ah oh là là, c'est chaud. Tu nous aides, là. Tu nous aides. Tu nous aides. Pourquoi faire ça Pardon. Non, je suis gentil avec le jeu. Ouais. Oh là là. Tu peux t'en mettre une à chaque oreille. C'est qui commence, c'est Fall, attends, gagner. Attends. Mops qui rit. Alors, vous allez tenter de me piéger. Oh, la vaignée, c'est comme ça. Oui, mais alors le problème, c'est que nous, on pense que tu vas penser qu'on veut te piéger. Mais est-ce qu'on va le faire, sachant que nous, on sait que tu penses qu'on va le faire. Ça devient trop compliqué. Je vais faire ça. Je vais peut-être changer. Ah, je peux changer après que vous ayez joué. J'ai pas joué encore, tu peux changer. Il va faire ça. Alors, je peux changer ou pas? Ouais, bien sûr. Le premier joueur a toujours le droit de changer. Oh, moi aussi, si je veux, je change. Mais vous, et du coup, vous rechangez quoi? Alors que moi, je peux changer, c'est pas obligé de rechanger. Et moi, si je veux, je change d'illustrateur aussi. Hein. Alors, attends, parce que là, c'est de la haute volée. Philippe a forcément mis un crâne. Et toi, tu veux profiter de l'opportunité. C'est un raisonnement qui pourrait être valable, mais qui ne l'est pas forcément. Alors, je vais faire ça. Je vais changer. Parce que je ne vous sens pas. Oui, mais si je fais ça, il va y avoir forcément... Des dégâts. Du choix. Sinon, moi, celle-là. Non, celle-là... Pardon. Est-ce que ça va, je parle bien? Alors, je vais dire 2. C'est bien. Et je ne bouge plus Poker Face. Lady Gaga. Tu peux bouger les rêves, s'il te plaît? J'ai mis en live. Tu peux bouger la souris. Tu peux bouger son bras, s'il te plaît. C'est pas à moi de faire la police. 3. C'est moche. Alors là, c'est toujours comme un crâne. Alors, Philippe. Tu veux que je retourne? Oui. Ça s'arrête. Alors, au hasard. Prends l'autre. Non, mélange encore. C'était 2 passaient. Tu pensais que c'était un tour à 3, moi. Mais... Non, je pensais que c'était un tour à 2. Donc tu commences. Donc, et tu mets ton obligatoire, défi tout de suite. Hein. Obligatoire, défi tout de suite. Obligatoire. Oh là, c'est chaud, ça va. C'est chaud. Ah oui, mais lui, il a l'opportunité. Là, c'est la fourbe. Non, mais là, c'est très chaud. C'est la fourbille. Ouais. Ah, la fourbille, il est entre le fourbinounet, qui est moi, et le fourbissime. Mais, ouais, mais, il le mais là, le potentiel, c'est que toi, t'as encore un point de la victoire. Donc, c'est pas grave si toi, tu gagnes et pas lui. Ah, bah, bien entendu. Donc, bien entendu. Donc, je n'ai pas le choix. Il va dire ça. Il va pas laisser passer l'opportunité. Donc, on va faire ça. Le problème, c'est que c'est un tour qui peut se gagner à 2. Bah, c'est un tour qui peut se gagner à plein de machins. 3. Ah, bah, alors à 3. C'est réglé. Ah ouais. Ouais. T'es sûr? Parce qu'il va gagner. Non, mais c'est sûr. Bon, monsieur Fall. Je suis navré. Ah, fallait tenter, hein, parce que j'ai à peu près 3 crânes. C'est moi qui ai la main. Et là, ça change tout. Bon, bien. T'as combien de cas? J'en ai 3. Là, il n'y en a que 2. Ouais. Et là, il y en a 3. Donc, ça va jouer entre vous deux. Hein. Moi, je vous regarde, hein, les gars.
Ben non, si tu ne regardes moi, pas. Moi, je suis neutre là. Hein. Tu ne regardes pas. Je suis neutre. La main est à Fall, hein, c'est ça, oui. Ah, comment je la joue? La main est à Fall. Comment je la joue? Comment je la joue? Comment je la joue? Ouais, mais et alors, comment je la joue? Ça, c'est une chose, mais c'est surtout comment Philippe la joue. Mais en plus, il parle dernier là, c'est ça qui est chiant. Ben voilà. Sauf si je parle le premier. Non, mais là, tu parles tout le temps. Il parle à dernier, c'est ça. Il n'est pas obligé de parler. Moi, je dis des choses pour vous embrouiller. Alors, le meilleur truc à faire pour moi. Il y a le meilleur et il y a le plus sûr. Et il y a le plus sûr. Ça va être ça. Ça va être moi, ça. Je sais toujours pas ce que je fais. Parce que là, vous savez pas. Ouais, mais j'aurai le droit de changer en cours de route. Ouais. En cours de route, non. Enfin, au moment où au démarrage. Puis en plus, là, j'ai deux adversaires, deux tapis noirs. Moi, je trouve qu'il est beau le jeu, là, maintenant. Ouais. Et le prochain sera encore mieux. Mais... On est bon. Enfin, on est bon. Moi, je voudrais qu'il y ait 40 boîtes de skulls différentes dans les magasins. Comme les jeux de non, cartes. Non, le mieux, c'est là. Des magasins de Skull. Ouais. Bah, oh, Skull. Vous savez, j'ai vu des magasins de Lego, moi, en Skull Shop. Oui. Et en Pologne, il y a des magasins de Lego, que du Lego. Oui. Toi, t'es trop fourbasse. Il y en a aussi au Japon. Ouais. Mais c'est pas moi le danger. C'est très impressionnant. C'est Philippe. Ouais. C'est impressionnant. Quoi, c'est Philippe? Bah, okay. Danjo, t'es le dernier à parler. Je vais dire un. Vous m'avez fait le coup du double kiss. Double kiss et ouais. J'étais pas là? C'est un truc polonais. Je change de carte et lui dis hein, c'est louche, je passe. En même temps, effectivement, si tu gagnes, bon, hein. Okay. Non, faut un. Lady Gaga. Moi, je tente le 2. Toi, tu tentes le 2 pour m'obliger à dire 3, c'est-à-dire que t'as un crâne. Oh, Servet qui me fout dans la merde, je pensais que t'allais dire au minimum 2. Je vais te le laisser. T'as dit quoi, t'as dit 2. Je le laisse. J'envoie un message à Hervé. Je pense qu'il y a deux crânes, mais il fallait tenter quand même. Mm-hmm. Et je tenterai plutôt... On pourrait imaginer qu'il a... Merde. Je ne sais pas ce mais là, je suis sûr qu'il y a un crâne. Sinon, il monte. Je pense aussi. Sinon, il monte. Il ne peut pas se permettre. Il y a peut-être plus de crâne. Non, j'ai pas du tout eu confiance dans son changement de carte et son 1. Non, je suis toujours derrière. Hein. Ouais. Largement même. Il te reste deux. Mais non, tu n'es pas derrière. Ah oui. Si, bien sûr. Wow, la prochaine victoire, vous gagnez. Là, il y a la tension. Hein. Moi, je n'ai pas le piton. Je vous laisse faire. Ouais. Ah, ouais. Bon, il peut gagner là parce qu'il est très fort. Bien sûr. Ah non, je sais. Alors, et... bon, je traduis pour les spectateurs. Ça veut dire, Hervé, tu pouvais être aussi un crâne ce tour-ci. Ou une fleur. Alors, bon, c'est moins pratique pour la partie en cours, hein, mais j'explique. Moi, je propose que vous pouvez faire les commentateurs. Hein, si ben vous voulez, hein. De toute façon, tu vas changer encore, je suppose, Fall. Non, j'ai plus le droit. C'est moi qui joue le premier. Ah, c'est toi le premier. Bah attends, qui joue, t'as le droit de changer. Bon, ah, tu rigoles. Okay. J'ai joué. Et j'ai joué. Ah, ça, ça renouvelle un petit peu la chose. Tu veux regarder ce qu'il y a sur cette jolie petite carte. Merde. C'est bon ça. Ça alors, c'est très très bon. Mais tu n'as plus. T'avais plus de rien. Cartes. Ah c'était deux dernières. Deux cartes, trois cartes, deux cartes. Mm-hmm. Alors Indiana. On sait ce qui reste. Non, on ne sait pas ce qui reste. On sait pas ce qui reste aux gens. On ne sait pas ce qui reste à Philippe, on ne sait pas ce qui reste. Ni à moi, ni. Et toi, c'est toi. Moi, on sait ce qui me reste, oui. Ouais, moi aussi. J'ai une petite idée. Je pense qu'il y a un gros piège chez Philippe. C'est sûr. Et j'essaye de m'engouffrer dedans. Et chez toi, par contre. Je vais dire 1. Ouais, ça, c'est bon. Tu passes. Ah non, pardon. Non, c'est bien. C'était sûr que tu allais dire ça, vu ce que tu as dit avant. Il n'y a pas de problème. Pour moi, c'est réglé, c'est KRV. Alors. Eh bien, moi, je vais tenter parce que faut tenter. Je tente 3. Alors, moi, je vais tenter 4. Ouais. Et là, ça oblige Hervé. À dire 5. T'as pas trop t'as le choix. T'as pas le choix. Hein. T'as pas le choix. Tu l'as pas. Ben non, tu dis 5.
Et tu gagnes ? Non, je le laisse gagner. Ah bon, d'accord. Non, il ne laisse pas gagner, il sait qu'il a mis un crâne. Je n'ai pas le choix que de faire. 1, 2, 3, 4. Dommage. Très, très beaucoup. Il faudra qu'on revienne dessus après. Oui, on commentera. Il y aura les analyses. Toute la soirée. Allez, regardez chez toi pour savoir ce que ça fait. Donc toi, il te reste ton crâne, j'ai une information. Ah non, c'est lui qui t'a planté. Ouais. Cela dit, il y a encore beaucoup de rouge du côté des ravés. Donc, t'es le premier joueur. T'es meilleur qu'il y a 2 ans. Je me suis entraîné des jours et des jours. On a fait des stages dans les maternelles. Et lui aussi, il lui reste 5. Son coup, c'était le crâne. Sinon, il aurait dit 5. C'est qui doit se décider? C'est toi et moi, toi et moi, toi et moi. On ne sait toujours pas si vous avez un crâne. Il en a un, et moi j'ai tué. Là, il est peut-être parti. Alors là, par contre, non, pour Fall, on a une interrogation. Mais oui. On ne peut pas savoir. Non, on ne peut pas savoir. Alors. C'est pas moi qui parle. Ah si, c'est moi qui parle. Bah, je crois, oui. Ah si, c'est moi qui parle. Tu t'es amélioré, mais pas sur tous les trucs. Moi, je dirais que c'est quand même amélioré de moins 23%. Ouais, plus que ça. En raisonnement. Alors. Je vais dire 3. Ah, c'est bien. Bah, je tente, parce qu'il m'en reste 2. Si je perds, il m'en restera 1. Je saurais où bien, vous en bien, êtes. C'est bien, c'est bien. Donc, je vais dire 1. Ouais. Je vais dire 2. Ouais. Et je vais dire salope. 3. Yes ! Yes ! Papa ! Yes ! Papa ! Yes ! Il te restait le crâne ? Oui, Hervé, reste le crâne. Et en fait, Philippe, toi, tu l'avais pas. J'ai su que tu l'avais plus. J'ai tenté le. Bah oui, mais je l'ai su. Ça a marché. Non, sauf que ça m'a. J'ai su ça a marché sur ce coup-là. Oui, mais ça m'a. Quand tu. Vu ta réaction, je savais que tu en avais plus après. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est. Oui, mais ça a marché pour. Ça a marché, oui. Mais après, je savais. J'espérais bien que vous veniez chez moi. De toute façon, avant, j'avais joué. Ouais, non, mais c'est. Ah, ouais. Bravo. Ça reste, quel que soit le graphisme. Et pourquoi tu n'as pas mis de crâne au dernier tour, là? Tu pensais y aller? Je pensais qu'il n'y aurait pas les coups de y aller. Ouais. Et que moi, j'allais dire 3. Tu ne l'aurais pas dit, je le disais. Oui, mais je me suis dit. Ah ben, on le disait tous, sauf ton respect. Donc, je me suis dit, il va avoir peur de moi, parce qu'il sait que j'ai encore un crâne. Donc, il va dire 2. Mais moi, je voulais parler. Oui, bien sûr, bien sûr. Oh, mais là, tu n'aurais pas parlé. Il disait 2, je disais 3. Il disait 1, je disais 3. Moi, il était hors de question, je disais. Ouais. Moi, j'ai senti voilà. Que j'allais que je dise 3. Bon, ben voilà ce qui se passe. Parce qu'au pire, je perdais un truc. Ouais. Non, mais c'est très bien joué parce que le problème de ce jeu, c'est qu'il y a beaucoup de personnes. C'est un jeu de hasard. Ils veulent pas prendre de risque en disant j'ai pas envie de perdre. C'est un peu les coups de la vie. Une carte, on s'en fout de perdre une carte. 42 minutes, c'est ça. On a c'est moins que la dernière fois. La dernière fois, mais parce qu'on est des joueurs très. Bravo, monsieur Fallon. Tu peux rester assis parce qu'on n'a pas terminé. Un petit jeu rapide. Moi, quand je dis bravo à quelqu'un, je me lève. Merci beaucoup. Ça reste toujours exceptionnel si on aime. Parce que c'est comme tu disais. C'est surtout les joueurs qui font le jeu. Ah, oui. Clairement, là, c'est les joueurs qui font le jeu. Soit tu as l'esprit d'analyse, de déduction, tu essayes de bluffer, pas bluffer, tu essayes de jouer les fragiles, les fragiles. Bref, c'est les joueurs. Mais, qui et font la preuve jeu. En est sur ce dernier coup que tu as admirablement analysé. Ça fait alors mal, que, c'est dur à dire. Hein. Que ça fait 4 fois que je mets crâne pour préparer ce coup, pour pas que tu dises 3. Et tu l'as dit, donc bravo. J'ai beaucoup appris en regardant la faiblesse de Tom, qui a perdu le coup. J'ai envie de dire, c'est pas gentil. Tu es comme tous ces illustrateurs qui jouent pas au jeu, en fait, quand ils les illustrent. Non, c'est pas ça. Fait, moi, je dirais que c'est un jeu où on voit la gentillesse des gens au fur et à mesure. Les plus gentils partent en premier. Et les plus vilains restent. Non, en même temps, c'est Skull. Alors, sachant que, évidemment, je vais peut-être encore une fois. En fait, il y a un truc très important avec lui, c'est qu'il joue beaucoup pour initier des nouveaux joueurs. Ah oui, donc. Et que celui-là, j'ai plus pu le voir en peinture pendant un bon bout de temps. Ouais, tellement qu'il y a trop joué. Tu voulais dire. Alors, je voulais rajouter quelque chose aux détracteurs qui disent que c'est un jeu de bol. C'est évidemment, il y a une part de chance comme au poker. Oui. Mais de toute façon, il y a des stratégies de fin de partie qui sont vraiment à suivre quand on les connaît, quand on les arrive à les analyser, qui te permettent de gagner à tous les coups. Oui, bien sûr. Selon les configs. Parce que c'est de la logique. C'est comme le poker, il y a les statistiques, il y a la logique, il y a les patterns, comme tu l'as dit, le pattern. Bref, donc c'est des. À condition que tout le monde essaye de gagner. Il faut que personne ne joue n'importe comment. Parce qu'un joue n'importe comment, lire les autres. Mais en même temps, si tu joues n'importe comment à Puerto Rico, c'est chiant. Carrément. C'est ça. Voilà, c'est. De toute façon, même quelqu'un qui jouerait au hasard laisse quand même l'opportunité aux autres de gagner. Puisque le hasard, il ne le contrôle pas plus que. J'ai une petite information quand même sur ce jeu. Bien que l'illustrateur ne coûte très très cher. Et qui est. Le jeu n'a pas bougé de prix. Il est toujours à ? Il est toujours à 39 euros. 15,90€. Ok. 16 euros. C'est-à-dire 16 euros donné. Quasiment. Non, mais quand on aime ce genre de jeu, mais c'est
Ce jeu a le potentiel d'être un jeu ultra addictif de type monomaniaque, tu sais, comme les labelotes, où le cerf, tu joues, tu n'arrêtes plus, tu joues à rien d'autre, en fait. C'est pas tout à fait vrai. Si, moi, c'est très très bien pour connaître un groupe quand on a beaucoup joué avec un même groupe. Ah oui, il faut changer après. Il faut changer de groupe. Mais quand même, tu vois, au café du coin l'été, tu vois, au camping, tu sans arrêt, c'est voilà, la partie du soir. Mais tu fais pas un an tous les soirs avec les mêmes. Parce qu'au bout d'un certain temps, on se connaît. Tu connais trop les patterns. Parce que c'est un jeu qui permet de découvrir comment fonctionne un groupe avec un certain nombre de joueurs. Oui, la prise de risque ou pas. Voilà, l'influence. C'est un très bon jeu de début de soirée, ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Et avant de pécho, après t'as pécho. Alors c'est un bon jeu de soirée aussi, si tu veux. Ouais. Une fois que t'as pécho. Par contre, il paraît que c'est un pas trop mauvais jeu pour les milieux de soirée, ouais. Finalement. Ouais, c'est un peu début, tout le temps, en fait. Ouais. Merci, les gars. Petit déjeuner, c'est pas mal. Le premier jeu, c'est pas pécho pendant que vous finissez en partie. Du coup, c'est intéressant d'être éliminé rapidement, quoi. Il faudrait faire des slogans sur les jeux, comme sur justement les trucs de sur, là, au petit déjeuner, avec marqué dessus « Votre jeu préféré ». Ah oui, avec ce fameux Goussens. Bah oui. Vous connaissez Goussens, l'encyclopédie du bébé ? Ah ouais. Le bébé qui se pointe au comptoir qui fait « Comment vous savez, Madame Germaine, que c'est mon déjeuner préféré ?» C'est excellent avec sa boîte de calottes. C'est excellent. En tout cas, merci d'être venu jusque-là, Hervé. Merci, Tom. Merci, Philippe. Merci. Mais non, je me souviens de ton prénom. C'est juste que je parle Philippe. Ah ouais, très… Oula. Et merci, docteur. Petio. Tu ne te souviens pas de son prénom ? Si, Mops, McLean, Thierry. Turquie. Ouh, Turquie. A bientôt pour de nouvelles aventures. Ouais. Général. Ouais, merci. Hein. Général Reich. Non, comment tu dis, Général Reich? Hic. Général Reich. Ouais. Jenny Reich. On lui fait confiance. T'as cru que t'allais gagner? Non, j'ai voulu mettre la pression, c'est tout. C'est ce qui donne l'ambiance de la partie, de faire croire que tu fais croire que tu veux gagner. Thank you.